suis Jérôme et gérant fondateur de l'entreprise Guest et Stratégie. Bah, à la fois en toute honnêteté pour soutenir Élise dans sa folle aventure entrepreneuriale d'avoir créé cet événement et parce que comme on est quand même nous aussi dans un marché de la location saisonnière et que c'était une première édition, je me suis dit que pour ma marque, il fallait que je sois présent. Et en même temps, d'un point de vue plus technique par rapport à mes salariés, on est en télétravail. Et comme je suis venu avec Thaïs, qui est ma collaboratrice, c'est toujours un moment sympa aussi convivialité. Ce que j'apprécie dans l'événement, c'est à la fois la diversité du public. Parce que justement, il y a à la fois des investisseurs, il y a en même temps des concierges, il y a quelques gîtes, chambres d'hôtes et des porteurs de projets. Donc la diversité de la cible publique, je trouve que c'est sympa. Ensuite, ce qui est très cool aussi, je pense que c'est le lieu en lui-même ici. Notamment ce matin, quoi, avec l'opening d'Élise, c'était assez ouf. Je suis quasiment cru à un lancement d'iPhone par Steve Jobs à l'époque, c'était vraiment impressionnant. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre d'événement, je pense, d'avoir quelque chose d'assez fort comme ça. Le côté réseau, networking et conférence. Je ne dis pas ça parce que j'animais un atelier tout à l'heure avec une table ronde, mais et j'avoue que je n'ai pas pu tous les faire, mais j'ai écouté 2-3 infos. Ça avait l'air très très qualitatif, donc ouais, pas mal d'attributs positifs pour l'événement. Donc j'espère que ce ne sera pas la dernière pour une première et qu'il y aura d'autres éditions. Quoi. Qualité, professionnalisme et networking. Toi qui regardes cette vidéo et qui t'intéresse d'une manière ou d'une autre à ce marché-là de la location saisonnière, je te dirais, si c'est pas encore fait, de te lancer. Et si tu es déjà lancé, je te dirais venir pour déjà la prochaine édition de cet événement pour te nourrir des intervenants, te nourrir des différents fournisseurs présents, des stands pour réseauter. Aujourd'hui, il ne faut plus être seul dans ce genre de business. Il faut vraiment vous faire aider, vous faire accompagner par des experts externes pour que vous puissiez pérenniser votre structure et kiffer et gagner un peu d'argent aussi accessoirement.